Bonsoir, bonjour tout le monde, peu importe, ça dépend de côté on regarde là, ces amis nous. Jenny qui est avec nous, jeudi, hein, pour une nouvelle rubrique qui est importante en pile pour nous-mêmes qui regardons. Pas oublier nous sur TAC 509, tout haïtien connecté. Mais rappelez-nous, faut nous abonner à la chaîne pour nous car au courant, pour nous car au fait de toutes nouvelles vidéos qu'il a postées pour nous-mêmes, en façon pour nous toutes connectées. Donc, comme nous connaissons déjà, jeudi, un sujet que moi vais porter pour nous, c'est les devoirs du citoyen. Pas les devoirs, les droits du citoyen, pardon. Par exemple, si nous connaissons nos droits, nous avons des devoirs tout. Donc, jeudi, on va commencer par parler de les droits du citoyen. Nous tous connaissons déjà, dès lors que l'homme a été manifesté envie pour te mettre dans la communauté, pour te vivre avec semblable. Nous connaissons un appareil qui t'a mis en exerce de façon pour réglementer la vie dans la communauté. Ça. Et appareil ça, c'est lui-même qui aurait l'État. Donc, nous-mêmes qui vivons dans la communauté, hein, qui sommes des citoyens, nous avons des devoirs et des droits que nous supposons remplir en façon pour permettre à ce que la communauté, pour permettre à ce que le pays a marché bien. Donc, je dis à moi, je vais vous présenter nos devoirs, nos droits, nous, en tant que citoyens. Et, leur citoyen, c'est pour gain droit. Et, loi ça et droit ça garanti par des lois. Nous avons deux types de droits. Droits divisés en deux grands embranchements. Nous avons droit à liberté, d'une part, et droit de créance, de l'autre. Droit de liberté qui s'allient. C'est un ensemble de droits qui contribuent à l'autonomie moun. Les droits ça individuels ou encore les cas collectifs. Parmi ensemble de droits et libertés ça, nous retrouvons le droit de vote, droit d'éligibilité. Avec tout les droits à la liberté de l'expression. Qui ça droit de vote là? Nous connaissons que dès lors que nous atteignons la majorité civile, nous, qui c'est 18 ans, nous avons droit pour nous voter. Nous avons droit pour nous participer à toutes et à tous les scrutins, les différents scrutins qu'a fait. Et puis, nous avons droit tout pour nous participer aux élections locales et nationales. Droit de vote, ça, c'est lui-même qui permet moi-même avoir, dès lors que nous gagnons nous gagnons élection dans le pays, nous, pour nous faire devoir, nous, pour nous faire un petit droit, nous, pour nous voter un monde qui va nous représenter, nous, qui va prendre fait et cause pour nous-mêmes et communauté. Après le droit de vote, ça, nous retrouvons le droit d'éligibilité. C'est le droit ça qui permet au monde de présenter en élection et capoter le candidat. C'est le droit ça tout qui permet d'exercer fonction juridictionnelle, à savoir le droit pour aller rester en justice, pour présenter comme partie civile, pour aller défendre au monde. Donc, c'est le droit d'éligibilité ça qui permet tout faire. Qui permettent tout faire ça. Parmi droits à liberté, ça qui contribue à autonomie individuelle, nous retrouvons la liberté d'expression. C'est liberté d'expression, ça qui permet moi-même à vous, je ne je dis, hein, que nous qu'à camper pour nous dénoncer en série de situations, en série de comportements, en série de actes qui pas fait nos plaisirs. Liberté d'expression, ça tout faut nous pas oublier, même j'entends nous gain droit à la, nous gain droit pour nous dire ça, nous voulons, nous gain droit pour nous dénoncer, ça pas fait nos plaisirs. Faut que liberté, ça, lui pas aller loin en façon que, on a rentré dans sacré pour faire propos diffamatoires et blasphématoires sur le monde. Liberté d'expression, ça tout. C'est lui-même qui permet tout et participer, appartenir à un syndicat et autres. Donc, ma propre pour nous retrouver droit à liberté, hein, nous retrouver et droit de vote, droit d'éligibilité et droit à la liberté d'expression. D'autre part, nous retrouver les droits de créance. Droit de créance, ça qui s'allie. C'est droit qui participe, qui contribue à la dignité de l'individu. Droit, ça, il y a un coût. À savoir, c'est l'État qui suppose mettre tout en œuvre de façon que, ou même à moi-même avoir pour nous exercer droit, ça. Parmi droit de créance, ça, nous retrouver droit à la santé, droit au travail, droit à l'instruction, droit à la sécurité sociale, droit à la protection sociale. Nous connaissons le droit du travail, ça, nous connaissons que l'État a une obligation pour lui mettre des côtés sous des institutions pour mettre sous pied et des institutions de façon pour le garantir, pour le jeune au travail, de façon que le cas, il répond à besoin, puis il y a une façon pour le responsable peut-être.
droit à l'instruction, nous connaît que timoun yo faut gen l'école qui créer, faut gen université qui met sous pied en façon que pour timoun yo pour nous ka former des citoyens de valeur dans demain. Donc droit de créance ça c'est lui-même journée jeudi hein que qui nous retrouver qui pas vraiment respecté dans pays nous déjà dans nos pays côté pas gain infrastructure côté où on même avoir nous pas ca ti moun pas ca accéder à l'école nous pas gain droit à la santé donc journée jeudi ça c'est tout droit ça yo à savoir droit de liberté et droit de créance ça yo qui pas respecté qui fait journée jeudi hein. Et moun nous retrouver nous dans situation côté nos gon économie cap périclité nous retrouver on taux cap augmenter cap fait que moi m'avons nous pas ca vivre bien journée aujourd'hui nous pas à l'aise en pays côté que insécurité a valé terrain gien en pile instabilité que ce soit instabilité politique économique et sociale. Donc c'est peut-être ça que demain si Dieu veut marche ça que organiser m'encourager nous toutes moi m'encourager nous toutes pour nous participer là-dedans. Parce que si que nous fait instance ça qui publie rapport ça sur comment font Petro-Caribe comment yo utiliser comment yo gaspiller comment yo galvauder c'est normal pour que journée aujourd'hui nous venons dans une situation côté nous à bout côté nous à lever camper pour mal parler pour mal dire pour mal marcher contre impunité avec injustice qui va le terrain dans le pays. Donc, moi, encourage nous toutes pour nous participer dans la marche qui a fait demain, si tu veux. Marche ça, c'est une marche côté où on va défendre droit et tout pour travail, droit pour gain accès à l'éducation, droit pour gain accès à protection, droit pour gain accès à la sécurité sociale. On doit côté que ou gen droit pour al marcher en al marcher contre injustice en al marcher contre insécurité en al marcher contre impunité en al marcher ensemble pour nous dire non pour nous dire c'est assez nous pas qu'arrêter nos situations comme ça faut qu'il y ait un changement qui fait donc jeudi en moi te vinn présenter pour nous droit citoyen nous qui droit nous gagner nous gen droit à la liberté d'expression nous gen droit de vote nous gen droit d'éligibilité et de l'autre nous gen droit à l'instruction nous gen droit à l'éducation nous gen droit à la protection sociale donc pour nous-mêmes qui braler demain si Dieu veut qui braler participer dans marche ça m'a conseillé nous pour nous marcher avec pour nous porter des vêtements amples pantalons côté que nous ca courir ou bien que nous ca marcher bien on pantalon qui pas trop serré qui pas trop ba nos problèmes pour nous utiliser porter des tennis en tout cas faire tout possible nous pour demain pour bagaille pour marche ça que nous a faire pour li gen en sens pas quitter même si gen moun ki bral infiltrer ki bral essayer dégénérer pas oublier objectif non pas oublier que ça nous bral faire pas oublier pour que ça nous bral prendre la rue en demain si Dieu veut pas oublier pour que ça nous bral marcher parce que droit nous en tant que citoyen yo pas respecté droit nous qui c'est pour nous vivre bien pour nous gain accès à l'éducation pour nous gain pour petit nous gain accès à l'instruction yo pas respecté yo vilipende nous yo gaspiller nous bral marcher parce que nous bouquer nous dit c'est assez nous pas ca garder nous pas ca camper à garder pays ça qui bral dans sens côté loyal il pas bon ni pour moi ni pour vous donc m'encourager ni ou même cap garder vidéo qui en Haïti nous même qui à l'étranger faut que nous faisons des voix nous faut que nous disions c'est assez parce que pays pas qu'à rester dans situation libre les jeunes aujourd'hui. Pas oublier aujourd'hui on finit parler nous de droit nous en tant que citoyen c'est sûr que dans l'autre prochain rubrique n'a bien pas bien pour parler nous que devoir nous en tant que citoyen. Merci parce que nous t'avons été branché pas oublier nous sur TAC 509 encouragez nous toutes pour nous abonner. Ciao.